Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Nidak, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de la Carrière Manager avec le FC Barcelone. On va affronter Gironne pour ce match de championnat. Nous sommes toujours deuxième derrière le Real Madrid à 2 points, mais toujours invaincu en championnat. Le seul match qu'on a perdu actuellement dans la saison, c'est le match face à Porto lors du dernier épisode que l'on a fait en live. Mais vous l'avez vu, on avait vraiment fait tourner et puis on n'avait pas été bon. J'avais fait vraiment de la merde, je l'avoue aussi. Mais voilà, donc là, on va affronter Gironne pour finir avec le dernier match de phase de poule de Ligue des Champions et on terminera sur le match de championnat face à Valence. Donc on est parti, j'ai essayé de recruter Marcus Rashford mais je suis encore trop juste financièrement. Il va falloir que je trouve un moyen de rapatrier Marcus Rashford parce qu'on en avait parlé. Je le veux dans un premier temps en tant qu'ailier gauche à la place de Ferran Torres qui sera remplaçant. Et je veux prévoir qu'il remplace Lewandowski à moyen terme et long terme au poste de BU. Donc c'est pour ça que ce serait vraiment un joueur qui serait intéressant dans un premier temps ailier gauche et après... Et après dans un poste d'attaquant pointe. Donc on est parti, on va faire tourner quand même parce qu'il y a de la fatigue. Sofiane Boufal va prendre le côté gauche. La défense, on va passer sur Martinez et Clément Lenglet. Et on va mettre Roméo au milieu de terrain qui a vraiment été pas mal depuis le début de la saison. Mais voilà, les deux éléments très très forts dans l'équipe, c'est Jules Koundé, Rafinha, ce côté droit incroyable depuis le début de saison. Et qui font vraiment plaisir et qui font de très belles choses. Sans oublier Lewandowski qui est fidèle à lui-même au niveau but. Donc on est parti, FC Barcelone, Gironne, le Camp Nou est en feu, let's go. Et premier ballon bien négocié par Jules Koundé. Martinez pour Gavi. Gavi qui va lancer Rafinha, c'est repris. Garcia, hein, prêté par le FC Barcelone justement dans ce poste de défenseur. Moi, je le vois plus comme un milieu défensif par rapport à son gabarit, mais après chacun ses choix. On verra ce qu'on en fait quand il reviendra. Attention à la parade et c'est Jules Koundé qui sort ce ballon. Premier corner, première grosse occasion pour Gironne et c'est Alex Garcia qui va le frapper. Quel sauvetage de Jules Koundé encore une fois. Récupération Gavi, très bien fait de la part du milieu de terrain espagnol. Gavi qui passe entre les deux joueurs et qui part pour le contre. De Jong qui perd pas de ballon. Ah si, malheureusement, c'est mal donné. Attention à la faute de Martinez, mais l'arbitre laisse l'avantage. Koundé dépassé par Gutiérrez. Ça joue bien du côté de Gironne. Qui fait vraiment une saison de malade hein, pour le moment. Le club de Gironne. Et attention Rafinha qui part en contre. Le Brésilien a repris encore. On n'arrive pas trop à sortir pour le moment du côté de Barcelone. Mais Koundé récupère. Roméo. Pour De Jong. Oh Boufal, c'est parti pour Sofiane Boufal. Peut-être l'un contre un. Boufal la frappe. Et le but. Le but de Sofiane Boufal, le Marocain. Qui vient encore apporter toute son expérience dans la rotation du FC Barcelone. Et grosse célébration avec de la rage. Lui qui est arrivé libre, hein, pour, on va dire, dans un premier temps, vraiment jouer des matchs, des bons matchs, ou des matchs pas importants du tout, où l'effectif n'avait pas besoin d'être très élevé au niveau, justement, de la qualité de joueur. Et Sofiane Boufal qui prend un peu plus de place hein, petit à petit dans l'effectif du Barça. Qui fait de belles prestations, on va pas se mentir. De très très bonnes prestations sur Sofiane Boufal. Et ça fait 1-0 pour le Barça face à Gironne. Et attention, Lewandowski qui récupère un très bon ballon avec Gavi. Rafinha. Rafinha pour Lewandowski. Ah, c'est bien gêné pour Gutiérrez. On récupère avec Roméo peut-être. Non. Et si on récupère. La frappe enroulée de Rafinha contrée. Bon ballon côté gauche pour João Cancelo. De Jong, Sofiane Boufal. Oh c'est le poteau. Ça a failli être un doublé pour le Marocain Eliandro Santos Junior. Qui lui demande forcément de la placer mieux que ça. Il a de la place, il a le temps. Le Marocain, mais malheureusement, ce n'est pas cadré. Ça finit sur le poteau. Ah ça aurait pu être le but du break hein, déjà. Pour le FC Barcelone. Le crochet était très très bon de Sofiane Boufal, malheureusement, manque de lucidité dans le dernier geste, manque de chance peut-être aussi. Attention, Kébé sur le côté droit pour Gironne, le bon centre. Garcia,
récupéré par Koundé. Ah, c'est Koundé qui est passé. Pas de faute. Pas de faute pour le Barça. La frappe contrée, la parade de Ter Stegen. Et je Koundé qui récupère. Ballon pour Gavi. Gavi. Pour Romeu. Romeu pour Lewandowski. Le ballon profondeur, il est bien donné pour Cancelo. João Cancelo qui est passé. Le Portugais qui accélère. João Cancelo, le latéral gauche du Barça. La frappe gauche de Cancelo. La parade du gardien, corner. Oh, quelle accélération. Champion d'Europe avec le Portugal. Et De Jong pour le corner. Il a tapé. Il a tapé Rafinha. Et la parade. Waouh. Ça pousse du côté du Barça. Deuxième chance. Cette fois-ci, Lewandowski s'est repoussé. La frappe de Gavi, ça passe à côté. Il y avait de l'espace pour le milieu de terrain espagnol. Malheureusement, ça a cadré largement à côté. La jeune ne sera pas inquiétée là-dessus. Gavi pour Rafinha. Rafinha, bon ballon pour Lewandowski qui passe devant son adversaire. Et ça sera une main de l'attaquant catalan. On approche de la mi-temps quand même. On va avoir peut-être mettre un deuxième but histoire de se mettre bien. Sofiane Boufal. Boufal contré. Et c'est la mi-temps entre le FC Barcelone et Gironde. 1-0, le but du Marocain Sofiane Boufal permet au Barça de mener dans cette première mi-temps. Largement dominé quand même. Belle occasion pour Gironde. Malgré tout, il n'a pas eu un bon Ter Stegen sur une frappe contrée. Bien joué pour Boufal. Un Boufal qui va provoquer tout seul, repris par la défense. Il faut bien jouer Koundé. Attention, ça passe là. Y aller dessus les gars. Le pressing là il est pas du tout présent. Ah, Koundé encore. Encore Koundé, il n'y a pas de faute. L'avantage est laissé. Ils nous baladent un peu là, ils vont centrer à tout moment, faites gaffe. La frappe, attention. Et y'a main, la main de Martinez dans la surface. Penalty pour Gironde. Oh c'est dur. C'est dur pour le défenseur espagnol. Oh, c'est très dur, il a la main sur les Corbonnes pour les protéger. Il n'a jamais dû avoir penalty là-dessus. Et attention, le duel. Stouani, Ter Stegen et le but de Stouani. Égalisation pour Gironde. Enfin, ça fait vraiment prendre un but sur un penalty qui est vraiment très très dur. Voire inexistant pour moi. Lewandowski, le face-à-face. Robert Lewandowski, la parade du gardien. C'est dégagé. Et bien dégagé d'ailleurs, pour Porto. Oh, qui humilie Jules Koundé. Mais le Français ne se laisse pas faire et va récupérer un très bon ballon. Gavi. Gavi, bon ballon pour Boufal. Sofiane Boufal. Et la parade du gardien. Allez, ça pousse du côté du Barça. Et le but de Lewandowski de la tête. Excellent le but de la tête de l'attaquant polonais. Le Barça qui repasse devant. 2-1. Allez l'anglais. Excellent Clément l'anglais. C'est bien les gars, on défend très très bien. On défend vraiment très très bien. Récupération Boufal. Et l'avantage est laissé, ce sera une faute pour Gironde. Et on va faire rentrer Ferran Torres. La sortie de Ferran Boufal sous l'ovation du Camp Nou et la rentrée de l'Espagnol Ferran Torres. On ne perd pas en qualité, justement on gagne encore plus. En qualité dans cet effectif du Barça très complet malgré les blessures de Pedri et de Baldé que l'on a perdu pour la saison on rappelle. De Jong pour Ferran Torres, accélération Ferran Torres pour Rafinha, c'est bien fait, la frappe de Rafinha et le but, le break est fait pour le FC Barcelone. Rafinha
excellent et sa célébration. Et oui, forcément, le Brésilien, toujours aussi bon depuis le début de saison, permet au Barça de faire le break. Jouer. Il reste un quart d'heure, un peu moins. Et on est bien, on est bien. Ah, tu passes au plus haut, c'est bien joué. Allez, Lewandowski, ça passe. Pour Robert Lewandowski, l'attaquant polonais. Peut-être le face-à-face avec le gardien. Lewandowski. Et le but de Robert Lewandowski. Et la célébration aussi emblématique de l'attaquant polonais. 4 buts à 1 pour le Barça. C'est très très dur pour l'équipe de Gironde. Mais malheureusement, voilà, il y a une marche qui est trop haute. Et ils n'arriveront jamais à la franchir sur ce match-là. La sortie de João Cancelo, très bon match. La rentrée de Marco Alonso. Alonso qui va perdre en temps de jeu avec l'arrivée du latéral de Las Palmas. J'arrive plus, je m'en rappelle. J'arrive jamais à le retenir. Attention, bon ballon. Il lâche pas, hein, les joueurs de Gironde. Et Jukundé qui récupère parfaitement. Ah, fini pour le contre. Le Brésilien qui accélère. Oh, la faute sur Robert Lewandowski, mais l'arbitre ne dit rien. Bien joué, les gars. Oh putain, non, on n'a pas le contre. La récupération. Roméo De Jong, putain, on n'a aucun contre. Bien joué, l'anglais. Marco Alonso, fessé par l'attaque de Gironde. Et c'est la fin du match. Victoire du FC Barcelone. Très grosse victoire, 4 buts à 1 contre Gironde. Score très sévère pour l'équipe visiteuse. Mais le Camp Nou est intraitable. Quand les joueurs du FC Barcelone sont sur cette pelouse, il se passe quelque chose. Et là, on va affronter le Royal Antwerp pour le dernier match de la phase de poule de Ligue des Champions. Nous sommes toujours premiers. Mais on a vu, voilà, le match où j'ai voulu faire tourner un peu. On a pris 9 buts parce qu'on a pris 5 buts sur ce match-là. Et j'aurais pas dû parce que j'aurais dû assurer la première place. Et maintenant, on est sous la pression du FC Porto pour la première place. Mais je vais quand même faire tourner là, j'ai pas le choix. Parce qu'en termes de, voilà, le championnat reste très important. Quoi que vous allez me dire, tout le monde est en forme, on peut partir avec l'équipe type. On va pas se faire chier, on part avec l'équipe type. On a une première place à garder. Même si à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose de toujours... intéressant d'être premier parce que il suffit qu'un gros club se soit raté dans les phases de poule et vous tapez rapidement un Manchester City ou un Bayern dès les 8e. Mais en tout cas, il va falloir gagner encore une fois à domicile. Et Rafinha, grosse récupération du Brésilien. Rafinha. Le bon centre contré. Lewandowski. Oh, le ballon retrait. Dommage. De Jong. Pour Ferran Torres. Oh, la parade du gardien. Incroyable. L'arrêt du gardien et premier corner pour le Barça. Rafinha pour Lewandowski, la tête, c'est dégagé, j'allais dire, pardon. Ferran Torres pour Rafinha. Oh, la faute sur Rafinha. Et ouais, il a pas du tout joué le ballon, le défenseur adverse, et Rafinha qui va pouvoir le frapper. Allez, Rafinha, faute à piquer. On a déjà mis cette saison. Et oh, la parade incroyable. Oh, cet arrêt de fou, en plus il la garde. Incroyable l'arrêt du gardien. Magnifique. Oh, Rafinha, le sombrero, ça passe. Pour le Brésilien, le passement de jambe. La bonne passe. Oh, dommage. Ah, pour ceux qui n'ont pas encore vu Rafinha à l'œuvre dans cette carrière, vous allez comprendre, les gars. Pourquoi je suis totalement sous le charme de ce joueur dans cette carrière. C'est impressionnant comme il est bon. Il a une telle vitesse surtout. Oh là. Jukundé qui se rate. Les deux meilleurs joueurs là, clairement, ce côté droit, il est incroyable. Il est incroyable dans le jeu, ce côté droit. Et Rafinha qui part à l'offensive.
Regardez, vous voulez voir la vitesse? Allez, bip. C'est parti. La vitesse de Rafinha. La vitesse de Rafinha. Oh, il est gêné au dernier moment. Et le gardien qui relâche le ballon. Oh, je suis gêné au dernier moment pour... Ah, petit problème de manette, les gars. Ma manette s'est déconnectée, désolé. Ça m'arrive assez souvent, vous le savez. Il suffit que je m'amuse un peu trop avec le fil de la manette et c'est fini. Ah, bien joué, Araujo. Et Cancelo aussi, on récupère ce ballon. Ce sera une touche pour le Barça. Toujours 0-0. Ferran Torres. Cancelo. Joao Cancelo. Pour De Jong. De Jong, Cancelo, c'est parfait. Pour le Barça. Un bon centre. La tête de Lewandowski, la parade. Encore une fois, peut-être. On la garde, on la garde. Ah, pressing. Oh là là, la passe comme ça, là, est hyper dangereuse, mais il l'a fait quand même. Oh, Lewandowski, c'est but. C'est but pour Lewandowski. Let's go. Je l'avais annoncé. Ah, oh, bah là, Robert Lewandowski, mon gars, ça pue direct. Hein. Et puis un power shot des plus puissants. Voilà, le Gavi. Voilà, quand ça, il est raté, mais Lewandowski garde le ballon. Et bon, ballon pour Rafinha, en profondeur. Repris par la défense. Allez, là, sur Foyette, Foyette, Araujo, bien joué. Rafinha aussi. La frappe de Gavi, la barre transversale. Non, la barre. Hey, la grosse faute de Gundogan là, il est en retard. Hein. Le milieu de terrain allemand, très en retard. Il va prendre son jaune, je pense. Hein. Oh là là, c'est parti à côté. Heureusement. Bon ballon, ça pour Rafinha. Garde. Pour Lewandowski. Ah! Je vais la remettre au Brésilien. Et c'est raté. Attention, attention, attention. Foyette, défensivement, Foyette, on n'y est pas. Oh, bien joué! Bien joué, Christensen. Le sauvetage, il n'y avait plus personne dans la cage. Et De Jong, qui part à l'offensive. Et incroyable, la passe pour Rafinha, elle est parfaite. Ah, De Jong, il nous habitue en ce moment à de très bonnes passes. Lewandowski, c'est à côté, largement à côté. On approche de la mi-temps, c'était sûrement la dernière action. Le gardien va se dégager, l'arbitre sifflera à la mi-temps. Ou pas, et si, voilà. Mi-temps entre le Barça et le Royal Antwerp. 1-0 pour les Catalans. Et on part pour la deuxième période. Ferran Torres. Gundogan. Ah, dommage. Oh, bon ballon pour Lewandowski. La frappe pied gauche qu'on fait. Allez, non, elle sera pour nous. Un brillant, je le fais. Allez, arrêtez à droite. La frappe de Christensen, contrée, et la main, il y a pénalty. Il y a pénalty pour le Barça, et ce sera un pénalty pour Robert Lewandowski, pour faire le break, et peut-être assurer la première place pour le Polonais et les Catalans. Allez, on s'élance avec Lewandowski. Et le ballon, il est parfait. Et le gardien qui pensait que ce ballon allait être à terre, mais malheureusement il est en l'air. Le doublé pour le Polonais, parfait. Parfait, parfait. Son grosse récupération de Gavi encore. Rafinha, Rafinha, la frappe en roulé contrée, et encore un pénal. Oh non, ce sera un coup franc. Oh, il est très dangereux ce coup franc. Alors attendez, non. Je vais l'attendre avec Lewandowski. Oh, il y a encore ces bugs là. Oh, il y a encore ces bugs là, les gars. Oh, pied gauche avec Gundogan. Oh, c'est scandaleux qu'il y a encore ces bugs. Oh, il existe toujours, mais c'est un. Ça craint vraiment qu'il y ait encore ces bugs. Hein. J'ai même pas envie de tirer correctement du coup. C'est scandaleux. Scandaleux qu'il y ait encore le bug du coup franc. Alors que c'est un bug qui avait suffi à 23.
Allez, Lewandowski. Oh, la parade. Oh, je n'aurais pas pensé qu'il y avait encore ce bug. Je m'y attendais pas. Allez, le bon corner, peut-être, pour le Barça. Lewandowski, le triplé. Le triplé de Robert Lewandowski. La célébration. Et ça fait 3-0. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Bien joué Koundé. Ferran Torres. Ferran Torres, accélération du joueur espagnol. Ferran Torres toujours. Un bon centre. Lewandowski peut-être. C'est repoussé. Et il n'a pas voulu que le gardien la prenne par contre. Mais non, touche là. Et Rafinha. Et oui. 4-0 pour le Barça. Quel branlé on est en train de leur mettre. On est vraiment sur du très haut niveau. Hein. Clairement. Et dire je vais renforcer tout ça avec Marcus Rashford sur le côté gauche. Tiens, à mon avis, attends, plus de choses, c'est quand même de rejoindre le club. On aura les moyens, le budget salaire pour quitter Manchester. Et la faute, ce sera un bon coup franc pour le Royal Under. Même s'il y a 4-0, c'est probablement fini dans ce match. Et c'est largement à côté. On va procéder à des changements pour pouvoir quand même être bon avec notre équipe type face à Valence. Donc João Félix remplace Lewandowski, Sofiane Boufal remplace Ferran Torres, Romeu remplace Gundogan et Marc Alonso va remplacer João Cancelo. Et ce sera bon pour les changements dans ce match, hein, je pense clairement. Transversale, elle est pas bonne celle-là. Oh, attention, et on prend un but. Ter Stegen n'a pas pu garder son clean sheet sur ce match-là. Belle action, et la perte de balle ouais, sur la transversale. Par contre, elle était pas bonne de Christensen. Ah, Joe, Sofiane Boufal, il y a peut-être faute aussi, non? Non, pas du tout, apparemment. Oh, la roulette de Sofiane Boufal, ça passe. Boufal qui accélère. Oh, qui garde encore le ballon. Rafinha. Pour Gavi. Gavi au Serge, m'a raté. Il s'est totalement raté le milieu de terrain espagnol. FC Barcelone, là, ça aurait peut-être le 5ème but, mais totalement raté. On va pas se mentir, c'était pas beau. C'est mon Koundé. Rafinha pour João Félix, c'est bien fait. Le portugais qui accélère. João Félix, c'est le but de João Félix. Le nouvel entrant qui vient apporter sa pierre à l'édifice. Et qui a allé 5 buts. Et la démarche à la Samuel Umtiti casse la démarche. Excellent le but de João Félix. Et là le Barça voilà mais plus que jamais premier de cette phase de poule de Ligue des Champions. Ce João Félix encore. La frappe de Félix. Oh ça côté. Comment il a raté ça João Félix? Oh là là, quel raté. Incroyable. Que je rate ça. Allez, faut la garder. On est bien. Boufal. On les agresse, hein, franchement. Ils ont plus le temps de respirer. Ça fait un Boufal. Boufal pour João Félix. Et le but, non, c'est à côté. C'est sorti par le gardien. Allez, corner pour Rafinha. Est-ce qu'on peut tenter un petit ballon comme ça? Pour João Félix. C'est repoussé. Rafinha qui garde le ballon, c'est bien fait. La frappe de Rafinha. Elle passe à côté largement. Mais c'était bien tenté. De la part du Brésilien, il a pris sa chance à 5-1. Si on la met, on crie au génie. Malheureusement, c'est pas le cas. On aura mis des sacrés débuts, hein, Rafinha, depuis le début de la carrière. Oh, bien joué. Magnifique ce qu'il vient de faire Youssouf du Royal Under. Et attention, la parade de Ter Stegen. Et on va s'approcher de la fin du match. On va finir premier de cette phase de poule. Et on connaîtra dans cette vidéo notre adversaire pour les 8e de finale de Ligue Champions. On va pouvoir relancer court tranquillement. Ça va siffler la fin du match. Et non, encore, c'est pas encore fini. Pas de prendre de rouge et tout, carton maintenant.
Allez, sors-moi ça. On peut plus sortir les ballons volontairement. Victoire du Barça, qui fait une premier de la phase de poule. 5 buts à 1, c'est carré, le triplé de Robert Lewandowski. Magnifique. Vraiment magnifique ce match. Sans grande difficulté. Comme le match face à Giron, même s'ils ont eu des belles occasions, Giron. Eh ben, est-ce qu'on connaît déjà notre adversaire ou ça sera pas pour tout de suite? Je pense pas qu'on ait encore notre adversaire de la Ligue des Champions. Est-ce que ça sera l'Inter de Milan? Waouh! L'Inter de Milan pour les 8e de finale, je vous l'avais dit, les gars. Finir premier, ça veut rien dire. Finir premier, c'est compliqué à l'heure actuelle dans le football, dans cette phase de poule de Ligue des Champions, parce que derrière, tu tapes des joueurs magnifiques de l'Inter de Milan, une équipe très très belle qui a fini en finale l'année dernière, forcément. En demi, pardon, excusez-moi. Aussi, qui a fini en finale, qui a perdu contre City, excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi. Et derrière, le Milan AC face au Bayern Munich, grosse affiche, Arsenal, Atlético Madrid, United, Napoli, la Lazio face au PSV, Real Madrid, Borussia Dortmund, Young Boys de Berne qui ont réussi à se qualifier face à la Real Sociedad. Et regardez, on a bien fait de ne pas finir deuxième, on a bien fait d'un côté parce que Porto hérite de Manchester City et on a dit ça va être très compliqué pour les Portugais. Et ben on part pour le dernier match de cette vidéo face à Valence. On peut regarder rapidement le classement quand même. Nous sommes toujours deuxième à 2 points du Real Madrid, toujours invaincu les deux équipes, on a juste fait un match nul de trop. Et en termes de stats des joueurs, le meilleur buteur, Robert Lewandowski avec déjà 22 buts en 16 matchs, incroyable. 12 buts pour Rafinha en 16 matchs. On a aussi Torres, 7 buts. Niveau passif, De Jong est à 15 passes en 15 matchs. De Jong quand même les gars, ça veut dire que c'est une passe décisive par match. Depuis le début du championnat, c'est incroyable. C'est une performance de haut vol. Clairement, c'est très rare, je ne sais pas si ça a déjà été fait. Mais c'est incroyable. Par contre, on va devoir faire tourner ces joueurs-là justement. Il y a quoi comme repos après? On va regarder ce qu'il y a comme repos après, les gars, quand même, parce que il faut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que s'il y a du repos derrière, il y a Almeria derrière, vaut mieux peut-être faire jouer tout le monde ici et garder un peu, voilà, faire tourner face à Almeria. Allez, on est parti, équipe type, let's go. On fera tourner lors du prochain épisode face à Almeria, je pense. Allez, let's go, Valence, FC Barcelone. Une grosse affiche de la Liga Santander, j'allais dire de la Liga eSport maintenant. Bien joué. Pérez. Correa. Ferran Torres. Oh, c'est bien joué pour Ferran Torres. Parfait. Il a éliminé son adversaire direct. Ferran Torres. Oh, le mauvais ballon, c'était pour Lewandowski. Ah, attention, le bon ballon! La frappe, la parade! Wow, la parade de Ter Stegen, incroyable! Il y avait un trou dans la défense. Et le portier allemand, ça sort très très bien. Attention, il va frapper là. Ça va frapper, les gars. Ouais, le joueur Araujo. Il y a faute de Cancelo. Attention, très dangereux pour Valence. Il y a Moutard Jacobi, il me semble, au centre là. Très très grand, faire gaffe. Bon, par contre, c'est pas débile pour Ter Stegen. C'est pour le Barça. Oh là là, bonne relance. Un peu en cloche. Mais Rafinha va récupérer. Et Rafinha accélère. Rafinha, la puissance du Brésilien. La vitesse. Rafinha. Et 1-0 pour le Barça. La relance de Ter Stegen. Le passeur décisif. Le gardien, passeur décisif, incroyable. Oh, quelle action, quelle vitesse quand même. Quelle vitesse de Rafinha. Lewandowski. Ah, oh, mauvais ballon. Non. Non, la parade. Oh, incroyable, l'arrêt. Oh, l'arrêt de Ter Stegen qui sauve la mise à tout le monde là. Je crois que ça fait deux grosses occasions quand même pour Valence. Faut faire attention en autre côté. La défense c'est pas au top là. Le jeu Rafinha. Et Rafinha qui accélère le Brésilien. Peut-être pour la même action. Oh, il va vite. Oh, qu'est-ce qui va vite. Qu'est-ce qui va vite, Rafinha. Rafinha. Oh là là, parade. J'ai pas pu croiser malheureusement. Quel arrêt du gardien. Corner pour le Barça. De Jong qui s'en charge.
La tête de Lewandowski, le but en pointe. De Jong encore, passeur décisif pour Lewandowski. C'est vraiment un schéma qui marche très très bien. Et c'est rare que le Barça soit... Le Barça n'a jamais vraiment été un club efficace sur ce genre de coup qui a arrêté de la tête du moins. Mais alors là, cette année, c'est un festival. Gavi pour Rafinha, ça passe pour Rafinha. Ça passe pour Rafinha. Rafinha le 1 contre 1. La frappe pour rouler la parade. La tête plongeante et le but. Qu'est-ce qui se passe? Ah si, il y a but. Excusez-moi. Il y a une animation bizarre comme s'il y avait eu un blessé ou quelque chose. Et ça fait le 3-0 déjà. Oh là là, 28ème minute du jeu, 3-0 pour le Barça. Incroyable. Incroyable cette antenne de match. Malgré deux belles occasions de Valence, qui va avoir des regrets, la faute de... Ouah, c'est carton jaune. Minimum jaune. Waouh. Attention. Ah putain, c'est jaune, heureusement. J'ai eu peur. Attention, Ter Stegen, faut faire gaffe sur ce genre de frappe là. Ça peut être bien tapé, ça va peut-être jouer court. Non, ça frappe. Oh là, ça s'envole. Belle transversale pour Ferran Torres qui garde le ballon parfaitement. Le joueur espagnol qui accélère. Ferran Torres, l'accélération de Ferran Torres. Deuxième poteau pour Rafinha. La tête du Brésilien à la parade du gardien. Ça sera un corner. Oh! Oh, Gavi, il a raté son contrôle. Deuxième poteau pour Lewandowski. Oh non, il est pas bonne. Première gaffe, première. Faut bloquer. Faut bloquer ce joueur. Oh là, Gundogan. Lewandowski. Pour Rafinha, c'est perdu. Rafinha, le bon ballon pour Gavi. La frappe de Gavi, la parade du gardien. Et c'est dégagé en catastrophe par Correa. C'est bien les gars, c'est bien, c'est très bien. On récupère Koundé. Oula, je me rate. Et Christensen qui va avec envie. Bon ballon pour Lewandowski. Qui perd le ballon malheureusement. Et on récupère très très haut encore, voilà. Lewandowski, ça s'envole. Largement, au-dessus. Allez, Andro ouais, qui espérait mieux de la frappe du Polonais, il le connaît, mais beaucoup beaucoup de déchets malgré ses 3 buts marqués. Du Barça. Oh Rafinha, oh, ils sont perdus les joueurs de Valence. Ils sont perdus. La frappe de Rafinha à la parade du gardien. Encore un corner pour le Barça juste avant la mi-temps. La dernière action de cette première mi-temps pour les Catalans. C'est bien tapé la tête de Rafinha, c'est repoussé encore. Oh là là, nombre d'occasions. Le nombre d'occasions pour le Barça et quel nombre d'arrêts aussi pour le portier de Valence qui franchement là il y aurait au moins 8-0 déjà en première mi-temps si le gardien n'avait pas été là. Et franchement, ça présage que du bon pour le Barça. On va pouvoir faire tourner honnêtement pour pouvoir quand même gérer la fatigue. Sofiane Boufal, Romeu et Joao Félix va passer comme ça. On va passer comme ça, ouais. On va passer comme ça. Je pense même que ça Boufal, il va être en MOC, voilà. On va passer comme ça. Pour la deuxième période, c'est parti. Lewandowski qui donne le coup d'envoi. Là, tranquille. Rafinha. C'est bien pour Gavi, c'est un peu long. Oh, il m'a fumé. Oh, je me suis raté en plus. Christensen. Excellent Christensen. Dès qu'il récupère. Pour Rafinha. Oh, c'est bien fait de la part du Brésilien, incroyable! Le dribble de Rafinha. Et Yasson Gavi pour Koundé. Pour Rafinha. 1-2 avec Lewandowski, le ballon pour le Brésilien. Rafinha, le passement de jambe s'est passé. Le ballon piqué pour Lewandowski, la diversion pour Joao Félix contré. Allez, c'est pas fini! C'est pas fini, Romeu. Oh là là, Rafinha est régal. Un truc de fou. Comment il régale? Jouer encore. Oh, c'est un harceleur le mec, c'est tout de fou. On a vraiment une équipe qui harcèle sur le pressing, c'est abusé. On leur fait tellement mal là-dessus à toutes les équipes que l'on affronte. Hein. Oh bien joué. C'est pour ça qu'on s'en... Du moment où on arrive à récupérer des ballons plus tôt, on a des grosses occasions. Allez, on va prendre Lewandowski. La parade de Lewandowski, la parade du gardien.
sans problème cette fois-ci. Allez, Roméo. Pour Gavi. Pour Rafinha. Oh, il n'y a pas de faute. Ah, le joueur, enfin, en gros. Pour Rafinha. Rafinha qui accélère. Il y a de l'espace pour le Brésilien encore. Dommage. Oh, grosse récupération. Et let's go! Le but de Rafinha. Le but du Brésilien, le 4-0 pour le Barça. Le Barça en démonstration dans cet épisode, clairement. Bon joué. Oh là là, bien joué encore. Koundé, la frappe de Koundé. Tête de Lewandowski peut-être, non. Oh, le ciseau. La frappe de Bouffal. Oh, ça passe à côté encore. Dommage, dommage, dommage pour ce qu'aime Bouffal et le Barça. Allez, je l'ai, les gars, je l'ai. Voilà, attention, Joao Félix, pas de faute. Bien joué. Oh merde, j'ai attaqué avec Gavi sans faire spread d'abord. Aïe aïe aïe, ça passe à travers. Le ballon piqué, ça va faire but. But pour Valence, réduction du score. Aïe aïe, l'erreur, ouais. D'ailleurs, je l'ai sorti pour pas prendre un rouge à Raoro parce que on peut le perdre pour un match. Sur un match où on mène 4-1, ça sert strictement à rien de le garder. Bien joué de la part de Rafinha. C'est encore bien fait de la part du Brésilien. Rafinha, la frappe en boulet contrée. Oh, c'est bien fait. Attention, pas de blessure quand même. Pour le Brésilien, c'est dommage. C'est en Koundé. Allez, remets où? Pour Gavi, c'est bien fait. Pour Lewandowski, il est par jeu. Lewandowski. Oh, la paire de balles du Polonais. Et c'est récupéré tout de suite par le Barça. Et bon ballon pour Joao Cancelo. Le centre en première, attention. Pour Lewandowski, la tête. Attention, attention, c'est pas fini. C'est pas fini pour le Barça. Joao Félix. La frappe de Bouffal et le but de Sofiane Bouffal. 5-1. Juste avant la fin du match, ça fait très très mal aux joueurs de Valence. Et Sofiane Bouffal qui va de son but également dans ce match. Et c'est la fin du match, victoire du Barça. Victoire, grosse, grosse victoire. Que des gros scores dans cet épisode. On a été excellent dans la finition. Et surtout notre pressing hein, qui est vraiment, vraiment fait la différence dans cette saison. On est déjà à 60 buts marqués, les gars, en 17 matchs, on a 60 buts marqués, c'est une boucherie. Et on est tout juste devant le Real Madrid. Real Madrid, pareil, 40 buts quand même, c'est déjà assez énorme. Par contre, on en encaisse beaucoup, hein. On est une des équipes qui encaisse le plus de buts. Mais le truc qui est là, c'est qu'on est premier, on va essayer de revoir pour Marcus Rashford. Essayer de négocier ça ensemble, ça va être très compliqué hein, quand même. On va essayer de voir si on peut pas échanger plutôt un joueur. Le problème, c'est que je ne suis pas très fourni en joueur, hein, clairement. Et proposer un joueur dont j'ai besoin, ça ne m'intéresse pas. Parce que là, potentiellement, lui, il est jeune. Clément Lenglet, je pense pas que ça les intéresserait dans la transaction. Si je pars sur 90 millions. Bah, ils en veulent 106, mais le problème, c'est que j'ai vu que 106, c'était très compliqué pour moi derrière de payer son salaire. Hein. Ah, j'ai encore une marge de manœuvre, les gars. J'ai encore une marge de manœuvre. Là, ça peut passer. Ça passe. Ok, est-ce que je vais avoir assez pour payer son salaire maintenant? Est-ce que je vais avoir assez pour payer le salaire de Marcus Rashford? On part sur un contrat de 5 ans, bien sûr. Pour l'ailier anglais. Pas de clause de libération. Ça devrait passer. Et ça passe.
Ok, on va mettre un peu plus du coup pour... Et c'était Marcus Rashford rejoint enfin le FC Barcelone après de nombreuses offres. Au moins la quatrième que je fais à Marcus Rashford et j'arrive pas à aller en dessous des 100 millions. Et là, on passe en dessous des 100 millions et Marcus Rashford est un joueur catalan à la mi-saison. Let's go les gars, c'est parfait. Grosse recrue, 95 millions, Marcus Rashford, oh là là. Oh, qu'est-ce que ça va être comme boucherie. Excellente affaire, tu m'étonnes, excellente affaire. 86 de général, Marcus Rashford rejoint le FC Barcelone. Waouh, j'arrive, je pensais pas arriver à mes fins là-dessus, tout en conservant Ferran Torres. Et ça par contre, c'est hyper intéressant, les gars. C'est hyper intéressant ce qu'on vient de faire là comme transfert. Waouh. Et on l'aura pas pour. Ça sera après le match de l'Almeria. Risque de perdre un joueur. Qui ça? Marco Alonso. Eh ben, on va voir pour le vendre, Marco Alonso. Au lieu de le perdre, on va essayer. Ah, ok. Attendez. Ah oui, j'ai peut-être déjà prolongé, amélioré son salaire. On va regarder d'ailleurs au niveau prolongation comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des joueurs qui... C'est vrai qu'on a de bons joueurs là aussi, Sergino Dest. On va les prolonger ces joueurs-là. Éviter d'avoir des pertes comme ça sans savoir pourquoi. Voilà, ça ne coûte pas cher de les prolonger ces joueurs-là, donc on va en profiter. Bouffal 30 ans bientôt malheureusement. Lewandowski qui a perdu un point malgré sa grosse saison. Après, je crois que c'était bon. Faudrait que j'arrive à... Faudrait que j'essaye de... Il est en prêt, João Cancelo, ça me dérange beaucoup. Mais il a quel âge, João Cancelo? 29 ans quand même, ouais. Mais voilà, les gars. Donc, on a recruté Marcus Rashford qui sera présent pour le prochain épisode, normalement. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ça donne beaucoup de courage. Passez une bonne soirée, c'était Nidax. Ciao.